Les tacles continuent entre les deux familles, GLC et Garcia. Jessica réplique en se moquant des fossiles de Jazz et cette dernière, avec son mari, tacle Jessica et Thibaut sur leurs derniers achats. Visiblement, chaque jour, nouvel épisode dans les embrouilles entre la GLC Family et les Garcia. Suite à ma dernière vidéo où Jazz traite Thibaut de cafard du Sud, Jessica a répliqué en se moquant des fossiles de sa rivale et en les comparant à des panneaux solaires. Par la suite, le couple Garcia a reçu sa commande d'une marque de prestige, des articles similaires à ceux de la GLC Family. Cela a irrité ces derniers qui ont poussé un sacré coup de gueule, taclé Jessica et Thibaut indirectement et vont carrément demander à la marque un remboursement. Leurs petites histoires sont loin d'être terminées, je vous laisse avec leur story. Que pensez-vous de leur guerre? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Vous avez vu mes cils comme ils ont poussé de fou? Ça c'est mes yeux, enfin oui c'est mes yeux, c'est mes cils quoi. Ils sont hyper longs. Je suis trop contente. Moi je déteste mettre des extensions de cils. Je déteste, j'aime pas. J'aime pas du tout, je me mets démaquillée. Et je sais pas, en plus je crains, il y en a, elles mettent des trucs, on dirait des panneaux solaires tellement que c'est grand. C'est horrible, je déteste, ça fait touffu. Et du coup, ben, j'aime trop quand c'est naturel et j'aime juste mettre du mascara. Et c'est vrai que vu que je me maquille pas tout le temps, ben, quand je me maquille, je suis auto-choquée de mes cils en fait. Voilà, je suis contente. Bref, je suis trop contente depuis le temps que je les avais commandés, mes pantalons. Ah, j'aime trop cette marque. Franchement, ça, c'est vraiment la frappe, les gars. Je vous montre. Donc, moi, j'avais commandé le rouge et le vert. Mais souvenez-vous, je vous ai montré il y a 2-3 jours, je les faisais retailler parce que j'avais hyper maigri. Donc, en fait, ça fait 6 mois que je les ai, je peux pas les mettre. Moi, ouais, ça y est, il m'a retaillé mon pantalon. Ouais, je suis contente. Enfin, je peux le mettre. Non. Merci. Hein. Avec plaisir. Petit tailleur haute couture, là. C'est cousu même, et BSC. C'est édition limitée, surtout. Ah oui. Un exemplaire, celui-là. Trop beau. Et pour Mylon, pour cet été, trop beau. Regardez, pour là en France, il va être beau, mon bébé. Il y a ces ensembles, là, rouge, vert, etc. Tout le monde les prend, hein. De côté là? Ah ouais, ouais. Ah. Les gens, ils adorent. Quand je les ai vus, quand on m'a dit c'est limité, ouais, j'ai dit, forcément, il y en a, ils ont forcé pour avoir les mêmes. Ah ouais. Non, mais en plus, on les a achetés il y a longtemps, lui et le vert, les mêmes, il y a longtemps, pour avoir les pièces limitées, même nos enfants, les gens. Que soit disant c'était unique. Là, ils visiblement, il a fait les mêmes à des gens qui ont forcé pour l'avoir. Voilà, je vais me faire rembourser. Mais sinon, nous. Pour me faire rembourser, voilà. Mm-hmm. Par contre, ça, c'est vrai, je vais demander remboursement. Parce que pour ce de vrai, je le dis ironiquement, mais on les avait fait il y a 6 mois, 7 mois, 8 mois, peut-être en arrière. Il y a très longtemps. Mon gars, Frenchy Daddy, tu vas me rembourser, voilà. Frenchy Daddy, tu nous dois. Hein. On les a fait faire pour que ce soit une pièce unique et finalement. C'est les derniers tissus. Il les a fait faire à d'autres.